Ah, another day, another coffee. Allô YouTube, on est dimanche et je m'en vais à une autre cabane à sucre. Parce que quoi ça sert de manger comme il faut toute la semaine si c'est pas tout défaire le dimanche. C'est une blague, tout est prévu, j'ai fait de l'exercice, tout va bien. L'important dans la vie, c'est l'équilibre, à ce qui paraît. C'est ce que j'essaie d'atteindre. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais à la cabane à sucre du Sénat, qui est un chef à l'érable avec le chef Laurent Godbout. Ça devrait être excellent. Ça fait plusieurs années que Laurent fait ça. Puis, tu sais, c'est vraiment là, une cabane pas comme les autres. Vous allez voir. Fait que je vais rejoindre Pierre-Luc et Jake, puis on s'en va. Bon, on va se déparquer un peu loin. Comme ça nous fait faire du sport avant l'apport calorique. Oui. Je suis avec Jérémy. C'est pas moi, c'est mon sosie. Ah oui, c'est vrai. Il va surtout pas s'empiffrer encore une fois avec moi. Bon, on est arrivé. Allons-y. T'as-tu faim, Jérémy? Ouais, j'ai faim. Yeah! C'est quoi le cocktail? Donc, on a du jus d'orange amer avec la vodka quartz, un cidre de glace fortifié. On va monter ça au cidre berger sud par la suite. On a de la noix de coco râpée et une teinture de cardamone. Ah, j'ai trouvé quelqu'un ici là. Salut Léon Desjeunes. Ça va? Bonjour Steph. Salut. T'es un petit peu le lendemain, mais on est là. Ton état est prêt, ton estomac est prêt, ton body is ready. Bon, on a pris place à table. On attend que tout le monde arrive. J'ai réservé une place pour mes femmes et pour les autres. Sinon, je suis encore avec tout le monde. Il y a aussi Cynthia qui est là avec son chum. Puis on prend le petit cocktail qui est délicieux. La déco est vraiment belle. Il y a quoi qui se passe là? C'est un traquenard! C'est tout collé, essaye même pas! C'est fait pour semer la confusion. Là, c'est leur stratégie, c'est la confusion. Et là, le pot à lait est bien trop normal. Allô, ma Sam! Jason est arrivé. Hello, Jay! What's up? Hey! YouTube! Bon, on commence à avoir faim. Oui. Je pense que c'est le premier événement du chum à Oui. Ça va bien aller, ça va bien aller. Vous avez faim? On a eu du petit popcorn. Miam, 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 miam. Il est chaud. C'est parti! Et toi, oui. Je trouve que je dresse de Mireille Martel.
le cimetière. Ben, tu commences avec une easy, gratinée, ben, juste la retirer. Ça, t'as un petit bout, ça va être correct. Mais c'est parce que gratiné comme ça, c'est assez user-friendly. Je suis pas une grande fan de quinoa, là, mais le quinoa en rouge, c'est excellent. L'huître, c'est vraiment bon. Puis, elle a jamais mangé de l'huître, elle a pas aimé ça. Puis le petit rôle avec la sauce, c'est une tarte miel, c'est vraiment délicieux aussi. Et tu sais, I'm a sucker for anything fried. Bon, ici, on a un plat vraiment spécial. Ce sont des roches. Ah, ça va être bon, ça. Mmh. J'ai pas de blague. Moi, j'aime ça quand mes amis deviennent amis. Ça m'écoeure. C'est dégueulasse que tu as bien fait. Qu'est-ce que vous faites? Ça se répète pas sur Internet. Ça incluait French et du sirop d'érable. Oh my god! French et un bûcheron! C'est le merci! La réalité derrière la fiction! Vous savez ce qui manque là-dessus? Du sirop d'érable! La viande qu'on peut défaire comme ça, là. Oh yeah! Le problème, c'est que dans le plat ici, il reste des os. On build! Les on des jeunes, révélez les secrets derrière la caméra, les secrets derrière le couteau. Attention! Bon, là, ici, il y en a qui ont perdu, ils ont besoin de Viagra. Moi, je m'en vais manger. Bye, Léon Desjeunes! Le problème dans les événements comme ça, c'est que je me rends pas compte à chaque fois que quelqu'un remplit mon verre de vin. J'ai aucune idée de la quantité de vin que j'ai bu. Douche! C'est super bon. Là, c'est le temps des desserts. On attend aussi la tire qui va être servie sur une glace de lait. Game. Fusion temps des fêtes. Échappons ce violonneux. Bye, Salfa. C'était vraiment bon, mais là on a manqué la tuer parce qu'on ne pouvait plus partir. Puis là, moi je vais pas me casser la gueule, là, c'est pas vrai. Ben, je passe par ici. Et c'était un peu long, mais c'était vraiment bon. C'était très bon. C'est 63$. Je sais pas si ça vaut 63$. On est quand même dans le Vieux-Montréal, c'est quand même Laurent Godbout. Ouais. Fait que c'est quand même bon. Puis on a manqué la tuer, mais c'est pas grave. Ah oui, on est parti. Parce que là, c'est clair que t'as une étiquette, là. Oui. C'est ça de même, là. Oh. On va aller voir ça. De retour dans Hochelaga Maisonneuve. Je pense que j'allais m'acheter du Perrier. Bon, je suis en train de finir la mise en ligne de mon haul santé Costco que j'ai filmé en venant du Costco la semaine passée. J'ai plus aimé la cabane à sucre des affamés, puis le rapport qualité-prix est vraiment meilleur aussi. Je dirais pas qualité-prix, mais le prix est meilleur, celui des affamés, sauf que c'est vraiment plus loin. On paye pour être dans le Vieux-Montréal aussi, c'est 63$ pour la cabane de Laurent Godbout. On paye aussi parce que c'est chef Laurent Godbout qui est quand même, c'est le top, là. Fait que c'est ça, j'allais faire mon meal prep, puis là j'ai presque tout fini, mon Perrier. Ça va être des liquides pour le reste de la journée, je pense. J'étais comme, je pourrais rentrer ça dans MyFitnessPal, mais c'est un petit peu trop MyFitnessLOL. À chaque fois que je pèle des œufs, il y en a un qui a l'air de venir de la lune. Why though? Il reste juste les patates douces à sortir du four, puis j'ai fini mon meal prep. Et c'est ainsi que se termine aussi ce vlog. Bye YouTube, c'est le fun! C'est toujours une bonne idée de regarder pour les codes quand on fait des achats en ligne. C'est juste smart! Puis qui est smart?
Team Grimou est smart! Shout out à mon couteau Aladdin! Arabian Nights!